là, je sens que. Je sens que. Putain, je me plante dans les commandes. Je sens qu'on est parti pour une belle vidéo à la con. Voilà, ça a fait pas. Oh putain, attends. Voilà. Voilà. Mais le bras, il lève pas assez quand même. Hein. Putain, j'ai une mouche qui m'attaque. Je sais pas d'où elle est arrivée. Celle... Ah non, c'est une guêpe. Merde. Bon, attends. Le problème, c'est de, c'est que les joysticks, j'ai l'impression que c'est tout inversé. Une vraie pelle, en vrai, c'est, ça fait pas comme ça, quoi. Là, en fait, tout est inversé. Sauf pour fermer le godet. Par contre, ça va vraiment falloir que je trouve un truc. Hop. Alors, normalement... Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Putain, dur, dur, hein. Le temps de s'y mettre... Tant que tu fais ça en vrai, le mec sur le chantier, il te dit non, mais tu peux rentrer chez toi, gars. Ouais, mais tu déconnes, quoi. Désolé, monsieur. Comme dirait Drake, t'as déjà fait l'amour à un homme? Non, monsieur. Ah, j'avais oublié cette physique de misère. Allez, tire. Oh, mais putain, le godet bouge plus. Ah, bah d'accord, il va reposer la terre, d'accord. Ah ouais, puis ça se bloque, quoi. C'est comme si t'avais un gros rocher qu'il faudrait péter au BRH, quoi, tu vois. Je peux même plus bouger le bras. T'as déjà vu Benny Hill sur une mini-pelle? Catastrophe. Avec la tondeuse à fond à côté, je vais essayer de. Ouais, ok, donc logique, quoi? Jeu logique. Non, non, mais rien, mais il fait bug, il a bugué, le camion a bugué tout seul, il veut plus rien savoir. Ouais, ben bienvenue au club. Putain, c'est qui arrive comme une balle avec une autre benne? Bah, c'est le Véro. Bah, je viens de la récupérer, celle-là, elle était au bord de la route. Ah ouais? Où ça? Dans le virage. Ah bon? C'est une qu'on a oublié le dernier coup, il y a à peu près un an et demi. Je pense pas, hein. Ah, ça se peut, hein. Comme je galère, mais je me perds dans les touches, là. Il faut que je me réentraîne à la grue, moi. Moi, j'y arrive plus. Avant, je ouais, j'ai encore jamais fait les grues sur ce jeu. Ah non, mais la grue du camion de transport. Ah ouais, mais non, mais quand t'as plus l'habitude. Putain, c'est pas une tranchée. On dirait qu'il y a eu un sanglier qui a retourné un champ de patates, là. C'est quoi déjà qui a besoin tuyau de drainage, c'est ça? Je sais pas, faut que tu regardes. Véro, dans... Ok. Ouais. Un tuyau. Véro... Un seul? Un seul, ouais. Ça va. Oula! Les courses, est-ce que vous validez? Oui. Il te demande de valider en plein... Ah bah oui. Bah oui. Et patron, quoi, on a besoin de ça. Après, tu peux les activer dans les options multi. Ouais, si ouais. Non, putain, mais ça reste dans l'esprit de dire... C'est... Oh merde, j'ai repoussé le trou. Au moins, comme ça, le patron, il voit si est-ce que ça vaut le coup de... Parce qu'il y a des fois, il y a des mecs qui vont te faire, ils vont acheter n'importe quoi avec ton souci. Ouais, c'est sûr. Ça, je Fabien. Trouve que c'est une bonne... Fabien. DJ Majestic 18.fr. Non mais Fabien, il va s'acheter une platine pour le camion. Fabien, la première chose qu'il va faire quand il a acheté le camion dans le jeu, il va acheter des basses assez bien, tu vois, pour qu'il ait du bon son avec la radio. Moi, je verrais bien quand même réaliste sur ce jeu. Oh, il devient de fou.
Oh, je voudrais. Oh, je voudrais jouer avec lui. Oh, je voudrais. Ah, je voudrais vraiment. Oh, con, tu me fais chier. Je suis un professionnel. Eh, il faut que j'en esquive beaucoup encore. Ah oui, tout ça, là, quand même. T'as l'indice en haut à droite. Si j'arrêtais de me tromper. Ah, par contre, là, ça devient dur comme du chien. Tu peux plus rien faire. Je suis professionnel, monsieur. Oh, putain. Je t'ai rempli de godets. Tu sais, ça m'a rappelé quand t'étais gamin que tu voulais choper une grosse cuillère de choco de cornflakes, tu vois, dans ton bol, là. J'ai Blaireau, il teste la profondeur des trous, là. Il fait Superman. C'est pas un peu exagéré, j'ai quand même pris le 8-4 avec la grue pour aller chercher une palette, quoi. Ouais, bon, tu sais, ça arrive. Hein. ça arrive en vrai, hein. Franchement, ça arrive en vrai. Hein. J'aurais pu prendre le petit canon, là, et... J'ai dit non, il faut un peu... Au moins, ça m'a rentré la grue. Je suis perdu, en fait, c'est mon joystick de droite, je me demande si je vais pas l'inverser, finalement, parce que... Je l'avais inversé avant, je trouvais que ça allait mieux, puis là, maintenant, je dois... Je sais pas, j'ai... Deux fils qui doivent plus se toucher comme il faut dans le cerveau, et du coup, bah, ça va plus. Mon cerveau ne gère plus ce mode de fonctionnement-là, aujourd'hui. Oh, putain. Hey, je suis là. You. Ouais, super, on peut même plus... On peut même plus remplir le godet. Bon, c'est vrai que Blaireau ferait son boulot, là, il aurait avancé un peu la benne ou il l'aurait gardé directement sous le camion, quoi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah, au lieu de tester les trous... Putain, reviens. Oula. Télé, 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 télé. Bonjour. Je peux te sauter dessus? Ah non! Ah non! Ah non! Déjà que j'arrive pas à poser la lame, merde! Attends. Normalement, tu peux la poser, la lame? Non, non, c'est non, on n'a jamais réussi à la poser. Wow! Je vais m'envoler. Je te vois cadrer en mode. Ouais, non, mais je te dis, je m'inverse les pédales, puis en plus, la physique et l'espace. Pourquoi y a Blaireau qui cavale partout? Non, j'étais au dépôt pour un truc. Au dépôt? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Rien, juste arranger le parking. Ouais! Tu sais que je l'avais déjà arrangé, mais à chaque fois ça recommence, ça se remet en bordel. J'ai remarqué, ça fait comme la dernière. Parce que ta dernière sauvegarde était en bordel, en fait, je crois. Non. Putain, puis si on pouvait monter le ralenti de l'appel, quoi, qu'est-ce que ça irait mieux? Qu'elle ait un peu de force, quoi, tu vois? Ah, attends, quand tu pourras acheter la vraie pelleteuse, ça sera aussi chiant. Ouais, pourquoi il est pas stable, toi, ta benne est là? Ah, je suis à donf. Parce qu'il y a la terre en dessous. Bon, moi, ça m'énerve. Yeah. Voilà. Allez, viens là. Mais non, mais glisse attends. Par terre, connasse. Attends. Mais attends. Attends, faut que je ramasse. Attends, j'ai et pendant ce temps-là, le contre-maître. Oh merde! Et la terre s'est pas vidée, c'est déjà un bon début. Putain, mais. Oh putain, mais c'est quoi ces bennes en carton là, tellement elles sont légères, quoi. C'est du papier, oui! Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Je fais un flash. Normalement, elle devrait juste suivre et puis voilà. Oh, qu'est-ce que de la physique alors ça. On dit de la physique de TS2, mais je commence à croire qu'il y a pire. Ouais, mais ah
Celui-là, ils le savent que la physique. Eux, au moins, ils savent que la physique, elle est foireuse dans celui-là. C'est pas ETS qui dit, oh non, ça va. Voilà. Ah putain, la salope. J'en ai marre de mes conditions, je veux sauter. Ah merde, je peux pas sauter. Attends, j'ai peut-être une autre idée puisqu'elle part en couille comme ça. Ouais, ce serait bien que juste que Blaireau la récupère et qu'il la remplace. J'avais l'intention, mais... Trop tard, je me démerde. Non, d'habitude, sur les chantiers, moi, je me démerde avec une pelle. Ah, attends, ça va y aller, là. Putain, ah oui, mais c'est sans compter la physique que le godet passe à travers la ferraille. Je t'emmerde. C'est un peu ça, hein. Non, là, t'es en train de creuser le... Ouais, j'ai vu. Voilà, là, elle va venir, cette salope. Écoute, on fait ce qu'on peut. Moi, j'aime bien me débrouiller. Moi, je suis juste en stage, hein, j'ai rien demandé. Hein. Au revoir, monsieur. Mais bon, moi, je suis un vrai gilet jaune. Gilet jaune, gilet jaune. Macron, démission. Macron, ça, c'est vrai. Démission. Oh putain, mais je me cours dans les boutons. Je veux relever le bras et lui, il plante. Oh. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais. Du CGT, là, on fait comment Ah non, il va falloir que j'inverse ça, là. Là, ça m'énerve. Là, ça m'énerve. Tu veux connaissez nous? Non, je sais pourquoi. C'est, ça serait bon dans la logique, mais le problème, c'est que ça, avec la manette, ça va pas. C'est à cause de Macron. C'est à cause de Macron. Ah, là, j'ai un godet plein, là. Il n'y a pas que le godet, je pense. Chauffeur aussi. Viens là, saloperie. Voilà. Allez, je fais un dernier godet, après vous finissez, parce que ça me prend la tête. Je sais pas, on laisse Blaireau, vu qu'il sait faire. Ouais, Blaireau, il va nous montrer son... Eh, hey, je break. Au secours, je break sur les rampes. Bon, Blaireau prend sa place parce qu'il va péter un câble. Allez, Blaireau, j'en démarre, je t'y laisse. M'en vais. Puisque c'est ça, je saute dans la deuxième benne. Voilà. Bonjour. Monsieur. Ah oui, mais t'as changé de perso, toi. T'as fait une meuf en fait, non? Une meuf. Ouais. Mais c'est la seule qui avait un vrai gilet jaune en plus, surtout. Monsieur, est-ce que tu veux continuer de creuser, Blaireau? Parce qu'il m'y demande. Maison de famille moderne. Bon, ouais, je te laisse creuser encore un peu, Blaireau. Hein. Regarde, il agit bien. Tom, dès qu'il voit une fosse, il faut qu'il fonce dedans, quoi. C'est plus fort que lui. Le trou qu'il a fait. T'as vu? On fait comme en vrai. On fait vraiment. Putain, oui, le trou. On fait de la simulation là. On est deux cons à regarder. Tu te rappelles, Tom, que la dernière fois qu'on a fait de la simulation comme ça, le Fenwick a fini enterré. Oui. Ah, c'était bon. Alors, il faut poser un autre conteneur d'après que je comprends. Non, il faut que tu prennes ton conteneur là et que tu le. Et que tu le mènes à la sablière. Regarde, j'attends que... Attends, je vais te la décharger, moi, la palette. Là. Attends, je me lève, moi, comme ça, Blaireau, il aime. Putain. Et j'ai pas dû faire des manœuvres sur... Reste où que t'es, Tom, ça va bien. Là. Attends, laisse-moi la déclencher, voilà. Je sais. Cargaison déclenchée. Je m'éloigne parce qu'il va mettre un coup de côté de la gueule. Mais c'est pas volontaire, hein, si je fais quelque chose. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui est volontaire dans le jeu avec moi là, parce que putain, si on pouvait poser cette lame aussi. Mais par contre, je sais pas où tu peux poser. Ah, entre les plots, ouais, d'accord. Merde, comment t'accroches déjà? Là, c'est bon là. Non? Non, je vois pas. Si tu vois pas les chaînes, faut que tu te mettes au-dessus. En fait, je peux plus. Ah, si, je crois que c'était bon en fait. Parce qu'il m'a. Le truc pour accrocher avait. Et te marque pour attacher. Ah, attends, voilà.
Là, c'est bon, là, non? En fait, je peux plus rien faire, là. Et je suis bloqué. Et Pléro qui me fonce dessus, mais yo! Ah, ça y est. Voilà, là, tiens. Putain, c'est des chaînes extensibles, t'as vu? Ouais, c'est tu. Regarde, elles rétrécissent, et là, là, tu montes, et hop, elles se. Ah, putain. Fais c'est attention, où posé tu es là, là où il y avait les plots en fait. Ah d'accord. Putain mais il peut pas me remettre ma vue correctement ce con-là. Accident. Putain. Ah c'est compliqué, un coup faut jouer à souris, un coup. C'est ça. Oh putain, j'avais oublié que les bagnoles étaient sous les deux comme tout sur la route. Ah que oui. Ah, il faut y poser à côté. Putain, même moi dans ma cour, là, c'est plus joli ce que j'ai fait pour ma piscine, la terrassée à la main, que de ça, quoi. On dirait un champ de patates, là. On dirait qu'il y a une horde de sangliers qui est passée, qui a rebeuillé tout le terrain, quoi. Merde. Voilà. Le truc qu'il fallait pas faire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire après les jeunes? Il faut attendre que Blaireau vide. Si je passe, tu crois que je passe? Putain, j'aurais dû mettre le donné. Non! Non! Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai l'appel qui faisait du moonwalk. Ah! Oh, je vois le fond vert. Oh, que c'est de glace. Le fond vert. Oh, ouais, tu te mets dans le trou, bah, tu vois tout le fond. Tu vois le. La reine est déposée. Libérer la zone de construction. Bon, bah, je m'en vais. Aussi parce que je vais rester bloqué dans les. Oh putain, ma vie. J'ai changé ma vie. Ah putain, la... ah oui, la caméra, la dure dure. Hein. Tu es en train de. Voilà. La, 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 ah ouais, mais je la, me vois de travers. La, 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 la. Y'a personne qui vient sur la route là parce que je vois rien du tout. Non, 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 ça y'a personne. Putain, y'a un mec qui a une chemise rose là-bas. Peux-tu me baisser les rampes de la remorque et de la crochet, s'il te plaît? De toute façon, je me serais poussé un petit peu de bagnole. Ça serait vachement gentil de faire ça. Il a pas pris en compte la. Non, mais même si ça prend pas en compte, ça prend quand même. Qu'est-ce qu'il a pas pris en compte? Regarde, normalement, il t'a dit d'évacuer, on a évacué, Putain, je glisse! La superficie. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Ah, mais faut sûrement fait. Évacuer! Eh ben, Blaireau, t'as laissé une benne! Ouais, je vais dégager la benne. Vas-y, recoule! Recoule! Encore à gauche! Ça lui chasse du cul quand même! Encore à gauche! Voilà. Vas-y, comme ça, vas-y tout droit! Maintenant, braque tout à droite et recule. Non, avance là un petit peu. Avance en braquant tout à gauche, voilà. Encore, encore, encore. Hop! Mets tes roues droites et ensuite recule. Ouais, non, mais avance encore. Ça fait forniquer tout droit avant. Avant. Voilà, braque un peu à droite et recule. Braque à droite, braque à droite. Non, là, je te vois reculer tout droit. Ouais, mais j'arrive pas. Ça glisse, ça me fait chier. Ouais, mais. Ah ouais. Comment ça en fait que ça glisse? Toujours glisse. C'est rien. Vas-y. Vas-y, là, t'es bien là. Ah putain, renvoie-toi à gauche. Bah, t'es dans les feux. Mais pour ça, il patine. Non, pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi.
pourquoi il patine en fait. Ouais, c'est étrange. Si un jour j'arrête de me tromper de direction. Je peux pas la déplacer, cette putain de remorque. Putain, ça me déplace la pelle, mais tu peux pas déplacer la remorque, quoi. T'as réussi? Tu vois pas que je suis en train de te soulever? Ah putain. Oula. En tout cas, ce qui est bien fait, c'est qu'on dégueulasse avec les chenilles. Là, j'ai été dans l'herbe, la terre, et ben ça dégueulasse bien la route avec les chenilles. Ça, c'est bien fait, ça. Ouais, ça n'a pas pris en compte le. En fait, il faut la dépasser à 2 mètres plus loin, en fait. Mais vous attendez, c'est pas chier, je vais me démerder. T'as vu pour éviter de casser, j'étais obligé de mettre ça. Bah ouais, c'est bizarre quand même. Tu peux remonter les rampes, s'il te plaît. Oh là, mais. Eh, mais pourquoi elle bouge toute seule la remorque? La pelle, elle se barre toute seule. C'est quoi ce bordel? Ok. D'accord, j'étais vachement bien mis, l'autre elle se barre toute seule. Ok, j'ai pas compris là. Non plus. Vas-y, remonte tes rampes là. Monte-les à fond, t'es pas à fond. Vas-y. Voilà, je vais essayer de m'aider là. Pierre, tu peux pas bouger ton godet en même temps d'avancer, quoi, ça, c'est phénoménal. Quoi. Allez, tire-moi, saloperie! Ah, ça y est, ça a marché, dis donc. J'essaye de me tirer, mais. Tu veux que j'avance un peu, non, ça va falloir. Vas-y, voir, pour voir, ça fait quoi. Ouais, mais je peux plus bouger, problème. Elle a bougé toute seule, cette conne de pelle, puis elle a pas assez de force pour se tirer avec le godet. Non, mais c'est phénoménal quand même. Véro, est-ce que tu peux venir avec tes fourches, s'il te plaît? Allez, tant pis pour les pavés. Voilà. Et tire-moi! C'est pas de problème. J'arrive pas à me sortir de la merde. Ben, en fait, la pelle, elle est partie en couille. En fait, est-ce que tu peux décrocher direct? Bah, si tu veux, je peux pousser déjà. Attends, voilà. Là c'est bon. Attends, bouge pas, touche rien. Si j'arrive à ramener mon bras. Qu'est-ce qu'elle veut la pétasse sur le trottoir là, elle va se prendre. Elle passe dans la remorque quoi. Ok. Il y a des fantômes les gars. Putain, je suis. Non mais sérieux, il est bloqué. J'essaye de me balancer, mais. Ah, là t'as décroché, vas-y Tom. Ah, puis tu peux pas bouger la lame, je suis totalement bloqué quoi en fait. C'est quoi ce bordel? C'est bien, moi je suis bloqué dans le poteau. C'est quoi ce jeu de merde? Et tu viens tomber, ça l'a pris. Et t'es sûr que tu peux pas m'emmener comme ça? Véro. Ah ça y est, du coup tu m'as débloqué. Ah
J'ai arraché le poteau. Le poteau au milieu de la route. La peine se barre tout seul. Oula, oula, c'est quoi ce bruit? Et il fait ça jusqu'à ce que je bois ma bière, j'ai failli tout cracher. J'ai rien fait. Bon, ben merci Tom, hein. C'est sympa de ta part. Tu sais que ma pelle, elle a la force à peu près de je sais pas quoi. Ouf, ça y est. Maintenant, on n'est pas des Tom, mais là, c'est compliqué, là. Elle est faute. Mais t'es où? Bonjour monsieur, vous allez bien, madame? Je sais pas, bien. Monsieur, il est ici là. Mais bon, je crois que c'est mort. Ouais, mais c'est bizarre qu'on peut pas accéder à cette peine. Ouais, il faut la TP. Est-ce qu'il est où, Tom là? Tu vois pas ou quoi? Ah oui, putain, je t'avais pas vu. J'avais pas fait. Oh putain! Oh putain! Oh Cédric, qu'est-ce que c'est? Attends, j'arrive, je vais t'aider. Je sais comment faire. J'arrive, Tom. Doucement, mais sûrement. Ah ouais! J'ai pas eu le temps de capturer le héros qui fait. Bah, moi, je l'ai capturé, je l'ai vu, hein, passer par au-dessus. Attends. Les ridex. Attends, j'arrive, je vais t'aider. Attends, change de vue. Et le camion il bouge tout seul quoi. Merde, je suis coincé. Ah non. Oh putain! Oh putain, l'appel part en couille toute seule! L'appel part en couille toute seule! Je peux plus bouger non plus! Hein? J'ai remis le camion, mais moi je suis planté. Ah si, ça y est, presque. Attends, attends, j'ai travaux. Attends, bouge pas. Oh là, ce bordel. Des transporteurs en TP, je crois qu'on va rester au transport, les gars. Pourquoi il fait du Naruto, mon personnage? Je sais pas. J'essaye de te pousser, mais... Non, mais fais la... Attends, change de vue. Voilà. Bah, monte dedans, Tom. Monte dedans, Tom. Oh putain. Je me suis encastré dans la. Dans la. Attends, je peux t'attacher. Tu te rappelles comme ça. Ah oui, je peux t'attacher en plus. Lol. Non, sérieux, tu pouvais m'attacher? J'étais à l'intérieur, je pourrais tu peux pas. Tom, tu peux pas utiliser la grue? Non, je peux pas. Moi, je peux te bouger les ridelles, mais c'est tout ce que j'arrive à faire là. Bon, ben. Attends, on n'a jamais abandonné. Voilà. Allez, vas-y, fais quelque chose! Eh hey, Blaireau, viens avec de l'autre côté avec la... Si Blaireau, tu sais ce que tu fais? Tu viens devant sa cabine, tu mets les fourches, tiens je le soulève un peu là, viens devant sa cabine bien droit, tu te mets côté toi, la lame le plus près du côté toi, la fourche, et tu lèves ta fourche à fond pour le remettre droit. Là j'essaye de le lever, tu peux passer tes fourches sous sa cabine? Ouais, mais il y a un genre de plan ici. Si, c'est bon, vas-y, vas-y. Vas-y, je vais essayer de le pousser en même temps que tu... Vas-y, lève, et puis je vais essayer de pousser après. Vas-y, lève, là. Glisse.
Voilà, vas-y. Vas-y. Elle est presque. Oh merde. Et boum, t'entends boum, bam, bam. Mais c'est quoi cette pelle qui a un bras en mousse, quoi? Allez. La pelle, elle a aucune force, en fait. Attends, je vais me mettre de l'autre côté, je vais la lever, je vais tirer le camion, mais par l'autre côté, j'aurai peut-être plus de force, en fait, si j'approche le godet. Ah voilà. Si, ça y est. Ah bah ça y est. Voilà. La logique, qu'il n'y a aucune logique. Bon bah voilà, ah, maintenant tu reviendras me chercher là-haut. Hein. Tu viendras me chercher là-haut, je vais monter, je vais attacher et ensuite t'accrocheras la remorque. Hein. Que ça fasse pas comme tout à l'heure. Ce bordel. C'est ça que j'aime sur ce jeu. Déjà, normalement, jamais on laisse une remorque et faire venir une pelle sur un trottoir, quand même. Parce que tu arraches tout, surtout des pavés, quoi. Normalement, c'est sur le chantier ou sur la route, hein. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai placé, les espéros. Attends, hein, je touche rien. Hein. Je vais rabattre ma... mon godet, là. Je vais changer de la vue. Attends, je suis perdu dans les touches. Accroche pas, hein, Tom, attends. Hein. Attends que j'accroche la remorque. Que j'accroche la pelle sur la remorque. Voilà. Attends, touche pas. Voilà, vas-y, maintenant tu peux accrocher et relever des rangs. Normalement, elle doit plus bouger. Hein. Normalement. C'est moi, entre temps, je glisse pas de vous. Faut vraiment que j'inverse ce putain de. Putain, mais fais comme si de la savonnette, quoi. J'étais droit. Hein. Et chasse du cul. Faut voir que j'essaye comme ça, là. Ouais, ce truc chasse. Il n'y a aucun changement. Oh, ça y est, succès. 50 000 euros. Grève de 60 minutes. Qu'est-ce qu'il nous dit, le truc qui clignote là-haut, hein? Ah non, c'est juste Tom qui avait rejoint. Là, je vois une meuf qui est dans la benne à Tom, qui est en train de traverser le camion, en fait. C'est impressionnant. Les piétons sont des fantômes. Elle traverse la pelle, maintenant, et la remorque. On m'appelle Moulouac. Impeccable. Attends, il arrive pas à remonter le timon. Ah si, t'as remonté le timon. Tes pieds au cul, ils ont pas l'air d'être remontés à fond. C'est la croix directionnelle normalement sur la manette, en haut. Oui, mais sauf qu'ils sont en fond. Ah bon. Bah c'est bon alors, t'as pas remonté les rampes derrière. C'est ça que j'arrive pas à remonter. Comment ça se fait? Bah parce qu'elle bloque. Essaye, tu vas voir, elle bloque. Comment ça se fait déjà? Bah c'est le blaireau qui est dedans. Bah d'un coup. Bah alors blaireau, vas-y. Relève les rampes. Et c'est bien les touches. Elle bloque. Non, on n'entend rien là. Là, elles essayent pas là. Attends. Je crois que. Ah, tu vois, elles y vont là. Pourquoi tu klaxonnes? Parce que s'il y a un conflit entre ces deux touches en fait, pour lever les rampes de la remorque et le klaxon. Ouais, parce que moi j'y ai enlevé ça.
Eh ben vas-y, emmène-nous. Que moi je les vois toujours debout, je les vois toujours le sorti. Ah non, moi je les vois bien rentrer, moi. Ah bah ben, moi je les vois sortis, donc. Ah. Allez Blaireau, on y va. On a fini le chantier là. Ah oui, la maison est construite, tiens, regarde dedans. Ah mais tout le monde s'est barré en fait, je suis obligé de conduire moi-même maintenant. Putain, mais c'est quoi ces ouvriers de merde, ces employés de merde là? Je sais pas, c'est. C'est quoi ces employés qui veulent plus rien branler, quoi? Casse, tiens Blaireau, tu rentres à pied. De quoi? Tu rentres à pied. Est-ce que l'appel va arriver au bout? Oh putain, j'ai enlevé un panneau qui a volé, mon pote. Moi j'ai écrasé un piéton, c'est pas mieux. Oh putain, un coup de mini-pelle contre la gueule. Ah bah je savais pas que j'avais un 6-4. Je m'en vais en 6-4, là je fais la gueule, j'en ai marre. Mec, c'est le scap comme ça, d'accord. Y'a Blaireau qui m'empêche de partir. D'abord, tu choisis un contrat, puis on verra après. Blaireau, il a pas d'argent. Pourquoi j'ai... Allez, enculé, là. Eh, c'est mal foutu, ça. Putain, en fait, si t'avais un Kikoulol dans la partie, bah tu peux plus jouer. C'est ça le problème. Ah, oh, c'est abusé, ça. Oh, les bouteilles d'air, comme c'est mal fait sous la benne. Je suis en train d'essayer les touches vite fait. Le crapaud, c'est un hydraulique ou c'est un normal? Il souffle tout seul. Par contre, si on avait ça dans le PS2, qu'est-ce que je ferais tout le temps? Ah oui, c'est un normal. Franchement, si on pouvait vider comme ça sur les chantiers avec la benne. Vas-y, montre voir de entre la... C'est pas sympa. Montre-moi entre le trapon et le cul de la benne. Sur le côté, tu passes. Voilà, t'essayes de rentrer dedans. Tu peux? Non, mais je te pousse le canon. Ouais, je vois que tu pousses le trapon. Tiens, au fait...